Les enfants, j'ai péché. Eh oui les amis, j'ai péché aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, sans doute la seule et unique du mois de janvier. Je suis désolé pour ça parce que je pars en vacances, je pars en France ce week-end, lundi, à minuit, de la nuit du dimanche à lundi. Du coup, je suis pas là en plus ce week-end, je suis en camping, du coup, ça sera sans nul doute cette vidéo la seule de janvier. Je suis désolé pour ça, je vous ai dit que je reviendrai en janvier. Le fait est que j'ai pas reconstruit en janvier, j'ai repris le build aujourd'hui. Aujourd'hui parce que... T'entends ce clavier dégueulasse? C'est le clavier que j'ai explosé l'ancien. Il y a toutes les touches qui fonctionnent plus. Donc du coup, regarde, si je tape un truc, c'est absolument horrible. Parce que ça fait un bruit dégueulasse. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Les amis, aujourd'hui j'ai pêché. J'ai péché mignon, oui j'ai péché, pourquoi j'ai péché, vous allez comprendre tout de suite, parce que aujourd'hui les amis, j'ai bafoué ma plus importante règle qui était ne jamais faire du père. Et j'ai fait du père partout, parce que je me suis dit tiens, essayons de faire du père. Regarde, père, là c'est père, là le pylône il est père, tu vois, t'entends ce clavier dégueulasse, là c'est père. Tu vois, regarde, c'est pair partout. J'ai testé de faire un build de pair. Pair, c'est pair partout, partout, partout. Du coup, work in progress sur cette construction. Pair. Alors, c'est une construction qui est en cours. Construction qui est simple à faire, rapide à faire. Le seul endroit où j'ai vraiment blasphémé, c'était ici, mon ami. Ici, regarde, un pic pair. Alors, pour éviter que ça fasse trop violent. Je vais d'abord changer de shader, si vous voulez savoir c'est lequel, celui-là c'est celui-ci, Silver Blue Bande, ok. Et celui que je vais prendre, ça va être le Rudoplay allemand, ok. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. Du coup, vous voyez, c'est pair. Et pour éviter que ça se voit trop, que ce soit pair, j'ai préféré faire des gros trucs de deux blocs, comme ça, ça se voit moins. Tu vois, ça se voit moins. Ça se voit moins que c'est pair. Et du coup, ouais, une construction pair. Construction paire qui envoie du pâté. J'ai eu beaucoup galéré pour ce genre de pattern où je voulais faire une séparation au milieu. Du coup, j'ai dû être hyper ingénieux avec mes escaliers pour avoir une sorte de séparation pas trop épaisse, mais quand même un petit peu. Et du coup, voilà. Voilà quand je reprends le build. Et oui, on est en texture pack normal également. Ça, c'est un projet qui est en cours. J'ai un autre projet qui est terminé, donc juste le terraforming, je sais pas si je vous le montre, je vais vous le montrer quand même. Mais ouais, ça c'est un projet qui est en cours, et du coup, avec le texture pack de la Deep Academy, pour voir, si vous voulez le télécharger, il est dans la description, ça va donner ça. Voilà, j'ai pas construit avec le texture pack de la Deep Academy, mais vous voyez que quand vous construisez son texture pack, et qu'ensuite vous construisez avec, enfin que vous foutez un texture pack, et ben forcément c'est joli. Il n'y a pas de risque d'avoir de problème. Du coup, avec un texture pack, vous voyez que ça pète quand même, mon ami. Ça pète les genoux. Et je suis bien content. Là, c'est du fer, oui. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, c'est du fer. Mais voilà. Un petit essai pour la première de l'année, pour la reprise aussi. En pair. Et finalement, tu vois, en pair, on arrive quand même à s'en sortir un minimum. À faire des choses pas trop dégueulasses. Et je suis plutôt content de moi. J'ai même fait des trucs à 45 degrés pour voir. Et je trouve que c'est assez sympathique en soi. Du coup, on reste en texture pack de la Deep Academy. Et on se retrouve sur le prochain build. Massif build en approche, mes amis. Vous voyez que c'est un build complètement terminé. Build complètement terminé. À base de rose, de couleur fantasy, couleur très gay. Avec des petits anges par-ci, par-là. Ah, il n'est pas encore terminé, hein. Des petits anges par-ci par-là, un petit peu en mode camouflé, qui font... Pour ceux qui auront joué à Fable. Des petits soldats en solide, mal fait, en mode Playmobil, disposés dans des niches par-ci par-là. Et oui, soldats que nous pouvons retrouver dans d'autres niches également. Et ouais, un build plutôt massif, mais un build plutôt intéressant. Je pensais rajouter encore pas mal de trucs. L'arrière, c'est le même. Je pensais rajouter encore pas mal de trucs, mais je trouve qu'il est bien comme ça. Je trouve qu'il est bien. Ça envoie du steak, vois-tu. Et pour ceux qui l'auraient peut-être noté, ce build provient
provient, oui, d'un projet que j'avais commencé il y a de ça un moment, un petit moment que j'avais commencé ce projet. Et du coup, ouais, c'est un but d'impair, hein, je vous précise. Celui-là, il est impair, j'ai pas fait le fou. Du coup, ouais, ça provient d'un projet que j'avais commencé il y a de ça longtemps. Et le projet est le suivant. Tada ! Voici le projet. Le projet dont je vous parlais, c'est voilà, le but que vous venez de voir, ça vient de ce projet, ça découle de celui-ci. Parce que vous voyez que j'ai gardé les mêmes couleurs que ce projet-ci. Et je l'ai retravaillé. Je l'ai retravaillé avec les mêmes couleurs, les mêmes palettes, pas les mêmes piliers, je les ai un peu, je les ai changés. C'était bien les piliers, mais je les ai changés. Et du coup, ouais. Comme quoi, ce que je veux vous dire par là, c'est que même mes projets, quand ils paraissent avortés, des fois, je les reprends pour les retravailler. Ça va être le cas pour l'instant du projet du castle, du castle complètement fantasy. Je l'ai abandonné pour l'instant. Peut-être que je vais le reprendre, mais c'est pas prêt pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Oui, j'ai construit quelques spawns aussi. Enfin, un spawn parce que j'ai pas le temps d'en faire plusieurs et que j'ai un peu décroché de Minecraft entre-temps. Mais j'ai fait un spawn pour quelqu'un. Du coup, si ça vous intéresse, contactez-moi. Je vous dirai si je peux ou si je peux pas. Pour l'instant, je pourrais pas. Je reprendrai peut-être en février. Je vous tiens au courant pour ça. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, je peux pas. Je sais même pas si je peux vous montrer le spawn. Et dans le doute, je vais pas vous le montrer parce que ça se trouve, ça doit rester secret. Peut-être que c'est pour un event pour l'ouverture, peut-être que ça n'a pas encore été ouvert, je sais pas, j'ai pas eu de feedback par rapport à ça. Donc du coup, pour le moment, je vous montrerai pas le spawn, mais en tout cas je travaille sur des spawns. D'ailleurs on m'a demandé du 50x50, j'ai fait du 100x100 et j'ai gardé le même prix parce qu'en fait 50x50 c'était trop petit. Du coup j'ai fait non, c'est trop petit, je fais plus gros. En fait non, j'ai fait plus gros par pur hasard. Ça va toi? Donc voilà. Voilà un peu l'avancement, mon état d'esprit en ce moment, c'est que je vais reprendre les vidéos, je vais virer les let's build, attention, comprenons-nous bien, je vais sans nul doute arrêter de faire des let's build sur ma chaîne, je vais en faire très peu alors, ou je vais faire en sorte que mes let's build soient pas considérés comme des tutos, parce que c'est ce qui me casse les couilles. Je vous le dis très honnêtement, c'est que mes let's build soient considérés comme un tuto. J'ai pas envie d'avoir cette étiquette au-dessus de ma tronche avec marqué tuto, oui je viens de me claquer la tête, avec marqué tuto, parce que ça me saoule franchement, et voilà, tout simplement. Du coup je ferai j'essaierai de trouver d'autres choses pour pouvoir me renouveler, mais pour l'instant je vais terminer le dernier let's build, moi je m'en mêle tu vois, je vais terminer le dernier let's build sur la cathédrale, pas la cathédrale, sur le steampunk. Et après, j'en ferai sans nul doute plus. Du coup, ça va être le dernier. Peut-être, potentiellement le dernier. Sinon, pour ceux qui se demandent, alors j'ai une chaîne de musique, c'est TML. Vous pouvez la checker, elle est dans ma subbox. Elle est aussi en lien dans la description si vous voulez aller checker. Et donc voilà. C'est là où je vais poster toutes mes musiques. Je ne les posterai pas sur cette chaîne. J'ai un mix 2desk qui arrive et j'ai un mix 4desk qui arrive. En revanche, mon mix 2desk, il a été bloqué dans certains pays. Je sais pas c'est lesquels, j'ai pas encore regardé, mais du coup ça a été bloqué dans certains pays. Et il va falloir que je check tout ça. Putain, mais il y a des constructions de partout sur cette carte. Donc pour ceux qui demandent cette carte en téléchargement, vous l'aurez pas, bien évidemment, parce qu'il y a toutes mes constructions. Du coup, vous ne l'aurez pas. Désolé pour ça. Mais ouais, si vous avez des idées en tant que contenu, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours bon à prendre. Et puis, si ça peut, si on peut délirer avec, ça peut être super sympa. Du coup, ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo de projet très rapide. Si vous voulez retrouver mes musiques, c'est sur la chaîne TML dans la description. Il y avait aussi mon SoundCloud. Vous pouvez aller checker tous mes likes sur SoundCloud. C'est les musiques que je télécharge, c'est les musiques qui sont généralement free download parce que les DJ combattent le téléchargement illégal en mettant eux-mêmes des free download, ça leur permet d'avoir de la pub en échange plutôt que ne rien avoir par rapport à un téléchargement illégal. Enfin bref, vous m'avez compris. Sur ce, je vous souhaite une bonne année encore une fois et on se retrouve en février. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner des petits feedbacks par rapport à tout ce que je vous ai dit et à votre ressenti, ça fait toujours plaisir. Même si vous pouvez vous sentir parfois un petit peu délaissé, je le sais bien. Des fois, j'ai tendance à lâcher complètement YouTube parce que j'ai besoin de lâcher complètement YouTube pour me recentrer.
Parce que YouTube, évidemment, c'est quand même assez fatigant. Du coup, j'ai besoin vraiment des fois de prendre le large. Enfin bon, j'espère que vous serez compréhensifs et sur ce, je vous dis à plus, à bientôt et portez-vous bien pour ce mois de janvier et à la prochaine vidéo. Allez, salut!